हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपतन्दिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नामस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषसन्नवादि पश्चादेशतारिणे वंशकल्पतरुग्रस्तकृपासिन्धुभ्यवतितनाम्बावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीशु गोपिका कंद राधा कंद नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमने गौर त्रिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशीष गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भक्ति शास्त्री प्रोग्राम की जय। श्री श्री नीता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Donc encore une fois, on vous souhaite tous la bienvenue. On est presque à temps. On continue sur l'étude le Bhakti Shastri, le chapitre 3. Laissez-moi voir un petit coup le fichier là. Bhakti Shastri français, chapitre 3, section et verset. Voilà. Ok. Vous pouvez me faire rappeler un petit coup, quel est le verset qu'on avait complété la dernière fois? Quelle est la section? Donc, la section 2, c'était verset 14-15. Ok. Non, ben on a fini le 10 à 16. Même. On a dû définir le 10 à 16. On a fini jusqu'au 16. Oui. Oui. Donc le Donc, karma on yoga, le bien sûr, devoir prescrire. Allez-y. Même je vous avais dit qu'on a complété. Vous n'avez qu'à finir à lire le verset 16. On avait tout expliqué. Donc on va continuer avec. Oui, voilà, ok. Donc, on commence dans la prochaine section là, hein. Le karma yoga, accomplir son devoir prescrit, vous avez ça devant vous naturellement, hein, son devoir prescrit dans le détachement pour montrer l'exemple, 17 à 35. Donc, on va faire quelques versets dans cette section-là et puis je vais introduire l'échelle de yoga. Ok, donc si vous avez quelque chose, là on retourne en arrière un petit coup. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris correctement et si vous avez bien lu, vous auriez des questions. Et comme si vous n'êtes pas celle qui fait ce devoir de lire, donc vous n'aurez pas de questions. Donc vous avez des questions par rapport à ce que vous avez lu. Hein? Si vous avez bien lu le chapitre, là, on peut entamer une discussion. Et si vous n'avez pas des questions et vous avez bien compris, ben, c'est bien mieux encore.
OK. C'est même pour moi, parce que moi, je donne des cours et aussi je prends des cours, mais je lis toujours. Et là où je fais une préparation pour donner de la classe, le Srimad Bhagavatam, c'est environ 50-100% mieux. Donc, il faut toujours faire référence au teneur porté et au verset et lire le livre de Srila Prabhupada. Hein. On ne peut jamais remplacer ça pour quoi que ce soit. Donc, s'il vous plaît, je vous demande de lire, de bien lire. Hein. Et là, on va finir cette section-là et on va faire l'échelle de yoga et puis on va retourner faire les exercices. Et maintenant, je veux voir, la semaine prochaine, je veux vous donner les exercices à accomplir, la dissertation et tout ça sur le chapitre 1, 2. Hein? Avant de finir le chapitre 3. Comme ça, vous aurez le temps de bien lire. Donc, OK. Donc, pas de questions? Vous ne faites pas noter les questions lorsque vous ne comprenez pas de choses lorsque vous lisez? Non? OK. Hare Krishna. Donc, vous avez tous le livre devant vous, c'est le verset 17. OK. Donc, dans cette section, la section qu'on va reprendre, c'est le karma yoga maintenant. On commence à comprendre c'est quoi le karma yoga. Auparavant, c'était la progression du karma kanda au karma yoga. C'est-à-dire, on fait une légère différence entre le karma kanda et les premières étapes de karma yoga. Maintenant, karma yoga, c'est accomplir son devoir prescrit dans le détachement pour montrer l'exemple. Ça, c'est une description ultime. Pour une personne qui est un karma yogi, il accomplit son devoir prescrit dans le détachement pour montrer l'exemple. Il est 17 à 35. Et puis, il faut bien établir et identifier l'ennemi qui nous empêche à accomplir ça. Accomplir le devoir. Laissez-moi partager mon écran avec vous. OK. Là, vous voyez tout cela. OK. Yes. OK. Donc, accomplir son devoir prescrit dans le détachement pour montrer l'exemple. OK. Auparavant, c'était ça, du karma kanda au karma yoga. OK? Essayez bien de garder ça bien en tête. Auparavant, c'était, on a bien discuté la différence entre le karma kanda et comment accéder au premier échelon, aux premières étapes de karma yoga. Maintenant, le karma yoga propre, le karma yoga bien à l'intérieur de cette section de karma yoga, ça signifierait hein, comment engager, donne-moi une minute. Just one minute. Okay. Donc, accomplir son devoir prescrit dans le détachement pour montrer l'exemple, c'est-à-dire on rentre dans le plein de ce qu'on appelle cette discipline de karma yoga. Alors, on va lire. Des versets 17 à 21, ça fait 5 versets, Krishna décrit la position d'une personne réalisée en relation à l'action. Bien que la personne qui a réalisé le soi n'est pas besoin d'accomplir son devoir prescrit, c'est-à-dire qu'une personne qui est sur le plateforme de Guyana. Il a une réalisation personnelle de qu'il est un âme spirituelle. Donc, il peut simplement vivre sur cette étape-là. Il n'a rien à faire. Mais c'est très facile dit, mais ce n'est pas facile de ne rien faire. Donc, la personne qui a réalisé le soi et qui n'est pas engagée pour son besoin intéressé,
il va accomplir son devoir prescrit. Et pourquoi il le fait? Parce que il est déjà détaché, il a le sens de la réalisation spirituelle. Donc, pour lui, l'action ne veut pas dire accomplir son devoir prescrit dans ses actions pour continuer de vivre dans la vie matérielle, non. Mais il a quand même le sens du devoir. Donc, Krishna utilise son propre exemple pour montrer que même Dieu agit en accord avec les Écritures pour montrer le standard à suivre aux autres personnes. Krishna décrit aussi comment une personne érudite doit agir avec les ignorants qui sont attachés aux fruits de l'acte. Donc, on va voir comment Krishna, il emmène cette discussion pour mieux enseigner Arjuna et pour nous mieux enseigner. Donc, un dévot doit encourager les gens par ses paroles et son exemple à utiliser le résultat de leur travail dans le service de dévotion. On dit bien le résultat de leur travail dans le service de dévotion. Arjuna se voit finalement conseillé de combattre avec dévotion pour Krishna. Donc, utiliser son travail et sans intérêt pour le résultat et travailler dans le service de dévotion, c'est ça que Arjuna il entame. Arjuna se voit finalement conseillé de combattre avec dévotion pour Krishna, pas pour lui-même. Et donc, dans ce sens, il va se libérer des chaînes de l'action intéressée. Donc, Krishna conclut son explication du karma yoga en mettant en garde Arjuna de ne pas s'abandonner, de ne pas abandonner son devoir prescrit lorsqu'il a quelques imperfections. Il explique que tout le monde est forcé d'agir d'après sa propre nature. Donc, on a une certaine nature spécifique à nous et selon les actions, les natures acquises par le guna, on est forcé d'agir d'après sa propre nature. C'est logique. Et parfois, on a des imperfections dans nos actions, même si on agit en collaboration avec la nature que Dieu nous a mis dedans, le guna que nous avons, les qualités acquises que nous avons, on essaye d'agir avec cette nature qui est nos miens. Mais même ça, on peut avoir des imperfections. Par exemple, Arjuna, il est un kshatriya, il va naturellement agir d'après sa propre nature comme un guerrier, mais en s'appliquant sur cet acte de guerre, il peut peut-être avoir des imperfections. C'est-à-dire que les imperfections, c'est naturellement une chose très commune pour toute personne. On ne peut pas avoir un devoir, des actes accomplis à la perfection parce que c'est la nature de ce monde matériel. C'est la nature de l'individu. Donc, même si on est bien situé correctement dans la vie et on a la nature spécifique qu'on a et on essaie d'engager dans cette nature. Mais on peut avoir des imperfections. Et on peut aussi avoir une chaîne d'action qui, même si c'est intéressé ou désintéressé, peut-être qu'on a des difficultés à les accomplir. Donc, c'est ça qui explique ici, donc, dans ces versets-là, on va aller directement. Vous avez bien compris? Donc, est-ce que, si vous avez des questions qui est peut-être un peu plus générales, on peut répondre ou on va aller directement lire le verset peut-être 21. Et puis, on va continuer. Donc, espérons que maintenant, dans l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez pas ce problème de résonance. Il y avait un problème de réseau. La dernière fois, c'était bien difficile. Le réseau était vraiment difficile et les dévots ils ne pouvaient pas faire de la lecture correctement. Et donc, on va continuer.
Donc, le verset 17. Yastvātmāratīr eva syād ātmā triptas chamānava ātmani eva ca santuṣṭas tasya kāryam na vidyate. En revanche, il n'est point de devoir pour celui qui se réjouit dans le soi, qui consacre sa vie humaine à la réalisation spirituelle et qui parfaitement comblé n'est satisfait que par le soi. Donc ça, c'est le jñāni. Ça, c'est le jñāni. Donc, il est comblé parce qu'il a connaissance spirituelle. Il n'est pas à la déroute. Hein? Vous pouvez tous éteindre vos micros. Hein? Radha, Pavana Radha et autres. Oui. Donc, il est bien situé dans la réalisation spirituelle, il est comblé. Donc, il n'a pas raison pour agir dans le monde. Le jñāni, ça c'est un exemple hypothétique. C'est une présentation hypothétique de Krishna. Alors, je demande à quelqu'un de lire le teneur reporté. Allez, Krishna, Prabhu. Allez-y, Nestor. Celui qui est parfaitement conscient de Krishna, qui est comblé par les activités spirituelles du service de dévotion, n'a plus aucun devoir à remplir. Sa conscience de Krishna le purifie instantanément de toute impiété qui pourrait encore résider dans son cœur, chose qui requiert d'ordinaire l'accomplissement de milliers de jhanas. En purifiant ainsi sa conscience, il sait de manière sûre quelle est sa position éternelle par rapport au Suprême. Par la grâce du Seigneur, son devoir lui devient évident et il n'est plus tenu de suivre les normes védiques. L'être conscient de Krishna n'est plus attiré par les activités matérielles. Il ne trouve plus aucun plaisir dans le vin, les femmes ou toute autre passion du même genre. Hare Krishna. Ok, donc c'est clair? Vous avez bien compris? Hein, le verset 17? Oui, Prabhuji. Ok, très bien. Donc, le verset 18, quelqu'un d'autre peut lire maintenant le sanskrit et tout. Hare Krishna. Neva tasya kritenato na kriteneha kachana na kachana kachana na kachya sarva. Kachana, nakasha kachana. Sarva. Écoutez, Gopali. Kachana. 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 L'avion ne va pas partir de sitôt. Ok? Nakasha sarva bhuteshu kachit ata vyapasraya ya. Celui qui a réalisé son identité spirituelle n'a pas plus d'intérêt personnel à s'acquitter de ses devoirs, qu'il n'a de raison de fuir ses obligations. Il n'a aucun besoin non plus de dépendre d'autrui. Tenez reporté. L'homme qui a réalisé son identité spirituelle n'a plus, hors de ses activités, dans la conscience de Krishna, aucun devoir à remplir. Comme l'expliqueront les versets qui suivent, la conscience de Krishna n'est pas la voie du non-agir. La personne consciente de Krishna n'est tributaire de personne, homme ou deva. Ce qu'elle fait dans la conscience de Krishna suffit à remplir ses obligations. Hare Krishna. Ok, ma question est posée envers vous tous et on va faire un petit exercice. L'homme qui a réalisé son identité spirituelle n'a plus, hors de ses activités dans la conscience de Krishna, aucun devoir à accomplir. C'est quoi ça? Quel est où on est? Hein, on met un baromètre et on vous demande où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'on est tous ici, dans le niveau de la réalisation de notre identité spirituelle qui ferait qu'on n'a pas aucun devoir à accomplir. Vous comprenez la question? Vous comprenez la question? Donc,
On est où? Et ça signifie quoi? De n'avoir plus aucun devoir à remplir parce qu'on a réalisé son identité spirituelle. On n'a aucun devoir à remplir parce qu'on a réalisé son identité spirituelle. Alors, nous sommes tous des dévots ici. Où on est? À quel niveau? À quelle étape? On est là. Bon, maintenant, je veux rester tranquille et vous allez m'expliquer, vous êtes où? Où? Hein, vous êtes à quel niveau là? Pour que je peux dire maintenant, je n'ai pas aucun devoir à accomplir. Pure dévotion. OK, en pure dévotion à Krishna, donc vous n'avez aucun autre devoir à accomplir, oui. Mais où est-ce qu'on est, nous? Hein? Je dirais vous, parce que la question est posée à vous. Donc, où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes à cette position à réaliser votre identité spirituelle, donc vous n'avez aucun devoir à remplir? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on est au service de Krishna. OK. Mais c'est l'idée de réaliser son identité spirituelle. Hare Krishna. Oui, Prabhuji. Oui, et par exemple, moi, quand je prends mon cas, je me dis que je ne suis pas encore au niveau où je réalise mon identité spirituelle pour pouvoir accomplir tous les autres devoirs. Parce que je me dis, je n'arrive pas encore à satisfaire correctement Krishna comme il le faut. Là, dans ces conditions, il me reste à faire. Donc, vous n'avez pas 100% réalisé votre identité spirituelle. C'est ça que vous me dites? Clair. Oui, c'est ça que je vous dis, Prabhu. Oui. Ça, c'est très bien présent. Je ne l'ai pas encore rempli à 100%. Parce que si vous auriez compris votre identité spirituelle, vous auriez été 100% engagé dans le service de Krishna à lui faire plaisir. C'est très bien présenté. C'est très bien présenté. Donc, et si vous arrivez à ce point-là à 100%, donc vous auriez accompli les symptômes, les marqueurs de notre réalisation spirituelle à 100%, qu'on est serviteur de Dieu, donc on n'est pas là. Donc, on n'a pas d'autre devoir à accomplir à ce niveau-là que de servir Krishna. C'est ça que je demandais. Mais vous êtes où? Lui, il a bien expliqué où il est. Mais maintenant, si je demande à ce Prabhu, je ne connais pas votre nom, Prabhu. Bhakti Vishakup, ce n'est pas votre nom. Oui, c'est Bhakti Sévérin. C'est Bhakti Sévérin, Prabhu. Ah, Sévérin, Sévérin. OK, Sévérin. Sévérin, OK. Bhakti Sévérin. Alors, sur une échelle de 1 à 10, écoutez bien. Oui, je vous suis, Prabhu. Sur une échelle de 1 à 10, l'échelle 10, c'est que maintenant, je suis complètement réalisé mon identité spirituelle. Je suis dans le service de Krishna pour lui faire plaisir. Échelle 1, je peine à comprendre ma réalisation, ma position spirituelle, et je connais à peine Krishna et comment le servir. L'échelle 1. L'échelle 10, ah, je connais complètement mon identité spirituelle comme serviteur de Krishna. Je suis engagé à le servir correctement. Échelle 10. Vous vous situez où? Oui, tel que moi je vois ce que moi je vois, j'ai fait les choses. Je peux dire que je suis même, des fois même je me dis je suis en bas de l'échelle 1. OK. Et pourquoi vous dites vous êtes au bas de l'échelle 1? C'est très bien, la discussion est très bien, vous écoutez vous tous. OK, allez-y. Oui. Oui, j'ai dit je suis en bas de l'échelle 1 parce que des fois, j'ai envie de vouloir faire plaisir à Krishna, mais je n'arrive pas. Je me peine à le faire, mais je n'arrive toujours pas. Je veux toujours, mais je n'y arrive pas. Ça veut dire qu'à mon avis, je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas encore commencé. Je me peine à vouloir faire plaisir à Krishna, mais je n'y arrive pas. Venez habiter avec moi, on va le faire ensemble.
Ok. Autre personne. Allez-y. Autre personne. Parlez. Merci pour vous. C'est bien présenté. Merci. Oui, Sylvain. Oui. Oui, Subhadra. Oui, alors, quand on a compris son rôle de serviteur et servir Krishna pour le faire plaisir, tous les jours, on va, par exemple, je vais prendre un exemple, on va répandre la conscience de Krishna. Par exemple, distribuer des livres, distribuer du prasadam, aller au temple faire du service, aller faire du harinam. Et si on arrive à faire ça tous les jours, ça veut dire que j'ai réalisé pleinement mon identité spirituelle, éternel serviteur de Krishna. Et si je le fais une fois, par exemple, dans la semaine, ou deux fois dans la semaine, ou une fois dans le mois, ou deux fois dans le mois, c'est que je suis en cours et je suis en train de me purifier au fur et à mesure pour entrer de plus en plus de façon active tous les jours dans le service de Krishna. C'est comme ça, moi, que je perçois ça. Donc, si je n'arrive pas, c'est que j'ai encore des impuretés. Donc, je suis encore un peu dans le karma, dans le Sankhya Yoga, dans le Gyan Yoga, mais pas dans le Bhakti Yoga. C'est très bien. Ça aussi, c'est bien présenté. Merci, Subhadra. C'est bien de partager ça. D'autres personnes. Veni. And don't be falsely humble. Veni, Madhava. And don't be falsely humble. Okay, I can tell. Allez-y. Hare Krishna Prabhu. En fait, dans ce que j'ai compris pour le VSC, c'est directement pour des personnes comme les maîtres spirituels que eux ils ne devraient accomplissent leur devoir que envers Krishna et après aux côtés de leur famille tout ça ils ne se sentent pas obligés de faire quoi que ce soit. Je prends l'exemple de mon maître spirituel que avant il était marié. Mais après, la Mataji, elle est tombée malade, mais mon Guru Maharaj, il n'avait pas des devoirs envers elle. Son devoir était que à propos de, était dans le service de Krishna. Mais par exemple, nous, on travaille et on a des responsabilités. On se sent engagé avec notre famille. Donc, notre relation, c'est notre famille d'abord ou nos activités d'abord et après Krishna, il existe, oui, mais dans un plan arrière. Très bien. Donc, votre maître spirituel, sur un plan de 1 à 10, il est sur 10. Oui. Et vous, vous êtes où? Ben, si là, au moins, on sait notre Dieu est Krishna. Donc, c'est par la miséricorde qu'au moins, maintenant, on sait ça. On ne va pas se perdre. Ah oui, peut-être que c'était Shiva, le dieu. Peut-être c'était autre. Mais au moins, je vais dire que... le 1, je vais dire au moins que ça existe. Sinon, j'aurais été perdue autre part. Maintenant... vous êtes sur 1, 2, 3, quoi? Non, 1. Je vais dire 1 parce qu'au moins, on sait que c'est Krishna qui est Dieu. Après, le servir, ça, c'est autre chose. Ouais. C'est loin de là. Très bien, c'est très bien. Voilà. Cette discussion, moi, j'aime tellement parce que c'est vraiment... Vous allez voir pourquoi j'aime ça bien. Parce que vous êtes bien sur les mêmes longueurs d'onde que moi. Gadadhar Prabhu, allez-y. Hare Krishna Prabhu. Je pense qu'il y a deux symptômes qui se manifestent. Le premier, c'est maintenant au niveau de la raga bhakti. C'est-à-dire qu'on a tiré naturellement vers le service de dévotion. Il n'y a plus de lutte. C'est un peu comme une mère qui prépare, son enfant pleure. Elle laisse la cuisine et elle va servir son enfant sans lutter. Et le second symptôme intérieur, c'est la baba bhakti. C'est-à-dire qu'on sent l'état spirituel par rapport au service de dévotion. Donc, je pense que c'est les deux symptômes-là. Le symptôme extérieur se manifeste par la spontanéité dans le service. Et le symptôme intérieur se manifeste par l'extase qu'on ressent dans cette spontanéité dans le service de dévotion. Hare Krishna. Et sur le plan de Sadhana Bhakti, ça fait comment? Et le Anartha, ça fait comment? Les choses qui sont dans le fond de cœur qu'on n'a pas besoin, qu'on n'a pas envie de lâcher. Pour nous, la Raga Bhakti. Non, c'est-à-dire, je dis, le anartha, les choses qui sont
pas dans notre avantage, pas dans notre intérêt, et qu'on garde dans le cœur et qu'on essaye de renforcer parfois et de bien éviter de retirer. C'est les anartha qu'on même connaît pas, parce que je ne sais pas comment ça, comment vous tenez à ça, comment vous faites à ça. Parce que le Raganuga Bhakti, c'est quelque chose de très élevé. Hein, le Raganuga Bhakti, c'est qu'on est directement engagé dans le service de Krishna. On ne peut même jamais soutenir notre vie sans Krishna. Donc, si je ne suis pas avec Krishna, plutôt que je meurs, ben, on n'est pas dans cette optique. Hein. C'est ça le Raganuga Bhakti. Ce n'est pas tout simplement que si on est dans le nishtha, c'est-à-dire qu'on est dans l'application de Sadhana Bhakti sans recul et sans difficulté. Ça, c'est qu'on a un niveau de nishtha. Mais dans le niveau de nishtha, et ça, c'est quelque chose d'autre que j'ai discuté avec vous, dans le niveau de nishtha, on a toujours beaucoup de anartha. En nishtha bhakti, on a beaucoup de anartha, des choses qui sont des impediments, je ne sais pas comment on dit ça en français, les inconvénients, les choses qu'on n'a pas besoin de garder dans le cœur, qui restent et qui ne sont pas révélés à nous. Et après un long prolongé, 10 à 15 ans de service stable dans le service de Krishna, maintenant ça commence à bouillir. Et puis les petites saletés, les petites choses qui ne sont pas correctes dans le cœur, ça commence à apparaître. Donc, et puis après un long bout de temps, on essaie de retirer tout ce qui ne doit pas être dans le cœur. Et là, on arrive aux plateformes de service spontané. On a tellement d'attachement à Shakti, à Krishna. Ça, c'est autre chose. On parle de Sadhana Bhakti. OK, autre personne, s'il vous plaît. Bhakta Joyi, pardon. Hare Krishna Guruji. Alors, moi, j'estime que je suis en phase de purification. Je commence à faire les 16 tours. Je suis. Pour moi, l'échelle zéro encore, mais les choses viennent petit à petit et je demande à Krishna de m'aider, de m'accompagner parce que j'ai besoin de son aide. OK. OK, encore deux personnes et puis on va aller sur ce que je voudrais discuter, mais on est bien parti avec la discussion. En deux ou trois personnes encore, vite. Hare Krishna, Prabhuji. Nestor. Bhakta Nestor. Moi, concernant ce verset, ma vision, c'est qu'il y a la réalisation et il y a la pratique. Et quand on a parfaitement compris, on la pratique aisément et sans souci. Mais il y a l'enseignement qu'on donne. Alors nous sommes convaincus que cet enseignement-là n'est pas discutable. C'est la vérité, c'est l'absolu. Mais dans la pratique encore, il y a toujours des petits bobos qui nous empêchent de réellement les mettre en pratique. C'est que le Prabhu l'a dit tout à l'heure, nous sommes encore impurs et on a beaucoup encore de choses à faire pour atteindre en tout cas la réalisation de soi. Donc, moi, personnellement, je pense que nous devons encore beaucoup chanter encore plus pour se purifier, pour pouvoir en tout cas pratiquer la conscience de Krishna. Et hormis les activités de la conscience de Krishna, on ne pourra pas se sentir à l'aise ailleurs. Hare Krishna. Ça, c'est très bien. Si on se sent à l'aise ailleurs, c'est-à-dire qu'on a toujours un pied dans le monde matériel. Oui, Prabhu. Si on ne se sent pas, correct, on se sent très, très, très gêné si on s'assoit, même pour regarder dans un restaurant comme ça, même pour ne pas consommer, regarder comme ça, on n'est pas confortable. Hein? On n'est pas confortable. Moi, je suis jamais confortable dans une place là où je ne suis pas confortable. Peu importe que ce soit où. Donc là, c'est-à-dire que moi, je suis bien dans ma peau que là où il y a de la conscience de Krishna. Donc, oui, ça c'est très bien présenté aussi. Il y a une autre personne encore et puis on va aller dans le PowerPoint. Anyone else? Oui. Hare Krishna. Hare Krishna. C'est Bhakta Vinod du groupe Bhakti Vishal.
Bhakta qui? Bhakta Benoît du groupe Bhakti Richard du Benoît. Benoît, ok, c'est vrai, Benoît. Benoît, ok, allez-y. Oui, bon, du point de vue général, moi, je vois que nous sommes toujours en purification et on n'est pas encore près de l'échelle 1 dont vous l'avez parlé. Hare Krishna. Donc, est-ce que vous savez que vous êtes âme spirituelle? Oui, je sais. Est-ce que vous réalisez que vous êtes âme spirituelle? Je sais que je suis une âme spirituelle, mais je ne l'ai pas encore réalisé. Ok, ça c'est une très bonne chose. C'est quoi réaliser? C'est quoi connaître que je suis âme spirituelle? C'est cette expérience. Hein? C'est knowing. Knowing, ce knowing, c'est experimental, c'est en expérience. Hein? Qu'on a expérience que je suis âme spirituelle, je reconnais que je suis âme spirituelle. Je ne reconnais pas d'autre chose, je ne reconnais pas que je suis le corps. C'est quelque chose de désintéressant. Mais regardez là, hein? Donc il y a d'autres personnes encore? Merci Benoît. D'autres personnes? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Allez-y. Oui, bravo. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous faites une entrée cinématographique avec de la musique sonore et tout. Moi, je me disais que je suis toujours en bas de l'échelle puisque je suis encore dans mes activités, je suis encore dans les activités matérielles par rapport à mon travail, par rapport à ma famille. Donc, je me pose la question, comment vraiment servir Krishna et lui faire plaisir, même si on se lève tôt le matin, on fait arti ou on cuisine pour Krishna, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que on peut se qualifier de serviteur de Krishna? Et quelle est la réponse? Quelqu'un peut répondre après vous? Moi, je me dis non, moi, je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, cette discussion. Gopali, comment vous répondez après vous, à Jai Jagannath Prabhu? Le micro, Gopali. Moi, ben, Prabhu Jagannath, ce qu'il fait déjà, c'est très bien. Moi aussi, j'essaye de faire, mais c'est très difficile vu la circonstance de ma vie avec mes parents. C'est pas gagné parce qu'ils ne sont pas comme moi. Donc, c'est une bataille quotidienne. OK. Dharman Singh Prabhu, vous êtes assis dans votre boutique, naturellement, vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que vous répondez? Comment vous réalisez votre service spirituel? Pour moi, peut-être, je peux dire... Je reconnais que je suis une âme spirituelle, mais pas encore être au niveau pour être serviteur de Krishna, mais on réalise petit à petit, on s'améliore et peut-être je suis même pas au niveau zéro. Pour moi, personnellement. Bon, je crois que vous êtes tous sur le niveau 1, plus 2, 3, 4. Attendez, je vais vous montrer. Hare Krishna, Gadadhar Prabhu, vous avez la main levée. Hare Krishna, dans un documentaire que j'ai regardé, Prabhupada a fait une analogie avec une fleur. Parce que beaucoup de vous lui posez cette question-là. On a une famille en charge, on a un boulot à faire, et Prabhupada a pris une fleur. Il dit, si vous prenez cette fleur-là, elle est matérielle ou elle est spirituelle? Elle est matérielle si vous la coupez pour la sentir. Mais elle devient spirituelle si vous la coupez pour l'offrir à Krishna avant de la sentir. Donc, Prabhu, je voulais que vous fassiez un commentaire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on attend même par l'action? Oui, c'est-à-dire que si... Très bien. Toute action que vous faites pour légèrement prendre de plaisir vous-même, c'est action intéressée. Et toute action que vous prenez pour faire plaisir à Krishna à 100%, c'est action désintéressée. Et si vous faites purement pour le plaisir de Krishna, action désintéressée sur le pur service de dévotion.
Et dans le deux sens, Chakadadarpo, il y a, c'est ça l'échelle de 1 à 10. Le maître spirituel de Veni Madhava, il est sur l'échelle 10 parce qu'il emmène sa vie pour plaisir à Krishna. Et ce qu'elle a expliqué, que le gourou, le maître spirituel, qui a même renoncé au Grihastha Ashram, il n'a pas de devoir à accomplir envers sa femme. Parce que c'est écrit par Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est écrit par Sukadeva Goswami dans le Srimad Bhagavatam, qu'une personne, il n'a nul devoir à accomplir, même envers ses ancêtres, ses familles, s'il est complètement service de Krishna. Et ce verset-là, c'est là quelque part. Attendez, je vais voir le verset que j'ai mis là dans mes notes. Attendez, notes, voilà. Attendez, je vais voir ce verset-là. Continue. Voilà, le verset est là. Devarshi Bhutatma, Ninam Pitranam Naking Karo, Nayam Rini Charajan, Sarvatma Yasaranam Saranyam Gato Mukundam Parhita Kartam, le Srimad Bhagavatam 11.5.41. Devarshi Bhutatma, Ninam Pitranam Naking Karo, Nayam Rini Charajan, Sarvatma Yasaranam Saranyam Gato Mukundam Parhita Kartam. Anyone who has taken shelter of the lotus feet of Krishna. Hein? Toute personne qui ont pris refuge au pied lotus, pareil au pied lotus de Krishna, celui qui donne la libération, Mukunda, et qui a abandonné toutes ses obligations, et qui a pris sérieusement ce chemin de dévotion, il n'a aucune obligation à personne, ni au Devata, ni aux sages, ni à toute autre entité vivante, ni à ses membres de famille, ni à l'humanité, ni à ses ancêtres. Toute obligation sera automatiquement remplie par le service de dévotion que la personne fait à l'égard de la suprême personnalité de Dieu. Je ne sais pas si c'est bien traduit parce que c'est en anglais. Donc, ce que parlait Veni Madhava, c'est exactement ce verset 11.5.41. Maintenant, on est fini avec ça. C'est juste pour faire savoir. Comme vous avez, hein, c'est peut-être... Prenez, oui, Esther. Est-ce que ça revient à dire, par rapport à l'analogie, quand on arrose la racine, l'arbre est automatiquement arrosé. Donc, si on fait le service de dévotion pure à Krishna, ce n'est pas la peine de faire tout ça, puisque on a déjà tout. Oui. C'est fait aussi. Automatiquement. Oui, c'est aussi, c'est ça donne légèrement différents exemples, mais c'est bien quand même. Oui, si on fait service de dévotion à Krishna, on n'a pas à satisfaire indépendamment personne dans la vie. C'est très bien présenté aussi. Donc, OK, merci. On va aller, je vais essayer de partager quelque chose que j'avais très peu de temps pour écrire. Je fais ça dans une heure de temps là. Donc, on va voir ça. On va partager l'écran avec vous. Et qu'on va discuter de ça. OK? Sur cette échelle de yoga, où est-ce qu'on est? OK? Est-ce que vous voyez ça à l'écran là, correctement? Hare Krishna, vous voyez l'écran? Oui, Prabhu. OK, vous voyez l'écran, très bien. Et c'est clair? Vous voyez-vous tous? Très bien. J'essaie de l'agrandir. Oui. Comment le faire? Oui, même pas. Là, c'est mieux? Oui. Okay. Oui, pour allez, Krishna. Ok. Je n'ai pas les mêmes pages. Alors, en fait, hein. Pardon? Vous ne montriez pas les mêmes pages. Il y avait deux pages que vous montrez différemment, en fait. Là, c'est bien. Qu'est-ce que vous lisez là, Estelle? Lisez pour moi. Alors, l'échelle du yoga représente progressivement l'accès d'un niveau à l'autre du progrès spirituel en s'appliquant correctement. Vous allez, l'avion part dans 15 minutes? 5 minutes. Alors, l'échelle du yoga, elle représente progressivement l'accès d'un niveau à l'autre du progrès spirituel. En appliquant correctement nos engagements dans le monde matériel.
en se servant de notre faculté mentale, nos sens et notre faculté intellectuelle, et en essayant d'intégrer dans le procès la connaissance spirituelle, le Gyana. Donc, en grosso modo, en quelques mots que j'écris, c'est ça, parce que c'est ça le yoga ladesh, c'est ça l'échelle de yoga sur lequel on a fait cette discussion. Donc, l'échelle de yoga, je ne sais pas comment dire l'échelle de yoga parce qu'en français, je n'ai rien vu là-dessus, c'est le yoga ladesh en anglais. Donc, je fais mes propres termes, je crée mes propres termes, qu'est-ce que je peux faire autre? Les Français n'ont pas fait ça, donc qu'est-ce que je peux faire moi? Donc, l'échelle de yoga représente progressivement l'accès d'un niveau à l'autre du progrès spirituel en s'appliquant correctement à nos engagements dans le monde matériel. Parce que pourquoi je dis en s'appliquant correctement nos engagements dans le monde matériel? Parce que c'est tout qu'on a, hein? On n'a pas d'autre chose, on a nos engagements dans ce monde matériel. C'est-à-dire qu'on a un corps matériel, qu'on a nos sens qui est situé sur nos corps. Et on doit accomplir certaines activités dans ce monde. Donc, en se servant de notre faculté mentale, de nos sens qui est situé sur notre corps et de notre faculté intellectuelle, c'est comme ça qu'on essaie de progresser sur l'échelle de yoga. Et puis, en essayant d'intégrer dans le procès la connaissance spirituelle. Donc, lorsque vous allez voir le deuxième tableau et vous allez essayer de comprendre j'ai une question pour vous. La discussion. Pardon? Krishna, j'ai une question pour vous sur le troisième point. Là. Oui. Et en essayant d'intégrer dans le process ou bien dans le processus? Dans le processus, voilà, très bien. Parce que moi, je ne suis pas français. Excusez-moi, mais comme ça quoi. Oui, dans le processus, la connaissance spirituelle, hein, le Gyana. Donc, on essaie d'intégrer dans le processus de cette échelle de yoga, dans cet avancement qui est préconisé hein, pour la vie spirituelle, comment essayer d'utiliser le Gyana? Dans ce cas, je vous demanderai la question, c'est quoi le Gyana? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Okay. Mais un peu plus spécifique, Gopali. La connaissance dans la manière d'agir pour parler à Krishna. Légèrement plus avancé, un peu plus basique. Merci. La connaissance du monde spirituel. Ça, c'est encore plus avancé. Ça, c'est un diplôme Bac plus 5. Connaissance qu'on est âme spirituelle, qu'on est âme spirituelle. Le Gyana, le premier échelon de Gyana, c'est qu'on est âme spirituelle. Vous comprenez? Et en essayant d'intégrer dans le processus la connaissance spirituelle, le Gyana, et la première étape de cette connaissance, le Gyana, c'est qu'on est âme spirituelle. Il ne faut pas aller plus loin. Hein? Donc, on est âme spirituelle. Est-ce que c'est ça, c'était la question auparavant qu'on a débattu? C'est difficile de même avoir cette connaissance, cette réalisation qu'on est âme spirituelle. On a une réalisation intellectuelle, on a une réalisation théorique qu'on est âme spirituelle, mais on continue d'agir sur le plan du corps. Donc, comment ça, c'est réalisation spirituelle? Comment c'est Gyana? Comment c'est connaissance? C'est simplement en théorie, mais en la pratique. OK, on essaie de jouir nos sens, on essaie de manger ça, de boire ça, de dormir, de faire ce qu'on veut. On n'essaie pas d'écouter le maître spirituel, on n'essaie pas de contrôler les sens, on n'essaie pas de bien régulariser notre manière de vivre. Comment c'est qu'on connaît qu'on est âme spirituelle? On ne connaît pas. On a entendu, on est âme spirituelle, on a réalisé très peu. C'est ça que je veux dire. Lorsque vous commencez à intégrer cette connaissance, moi, je ne veux pas faire cette action-là parce que ça n'intéresse pas l'âme.
n'a rien à faire avec l'âme. Lorsqu'à chaque fois que vous vous demandez cette question, à une telle fréquence, une telle façon, qu'à la rigueur, ça devient second nature, comme on dit. Ça devient très naturel pour agir. On agit ce que pour l'âme spirituelle. Donc, la connaissance, oui, théoriquement, on a entendu, hein, mais dans la pratique, on est bien loin. Donc, le premier échelon de cette, la première étape, la première tranche de cette connaissance, le jnana, c'est qu'on est âme spirituelle. Essayez de bien appliquer ça dans la vie, tous les jours. Si on commence à intégrer ça, alors vous avez une habitude quelconque, moi, je n'aime pas cette habitude. Pourquoi je n'aime pas cette habitude? Parce que ça n'a rien à faire avec l'âme spirituelle. Ça ne fait rien pour mon atma. Ça ne fait rien pour moi, parce que je ne suis pas ce corps-là. Alors là, vous pouvez arrêter cette mauvaise habitude que vous avez. Pourquoi je dors plus que 6 heures de temps? Parce que Prabhu, parce que le corps, Prabhu, comme ça. Mais vous n'êtes pas le corps. Pourquoi vous dormez plus que 6 heures de temps? Vous n'avez pas besoin. L'âme n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? Donc, appliquant cette connaissance, s'appuyant sur cette connaissance qu'on est âme spirituelle. Donc, je me réveille tôt le matin, je chante mes 16 tours parce que ça, c'est quelque chose que l'âme a bien envie de le faire. Et je ne me présente pas devant les dévots avec mon gros ego, parce que cet ego, hein, c'est simplement une couverture de cette âme. C'est ça que je veux dire. À chaque fois, il faut avoir cette réalisation, je suis âme spirituelle. Lorsque quelqu'un vous insulte, très bien, ça ne me fait rien, parce que âme spirituelle ne souffre pas d'aucune insulte. Vous comprenez? Oui, Prabhu, est-ce que ça veut dire que quand on peut se dire qu'on s'est réalisé spirituellement, c'est que au fur et à mesure qu'on se détache de tout ce qui ne fait pas plaisir à l'âme, c'est ça? Oui, qui ne fait pas plaisir. Oui. On se détache, qui ne fait pas plaisir ou fait pas comme un devoir de réalisation de soi, de réalisation de l'âme. Oui, c'est ça. Hein? Donc, il ne faut pas aller bac plus 5. Hein, qu'on vient d'entrer dans le... Vous comprenez? C'est une façon de présenter. Moi, je suis comme ça. Mais vous comprenez? Et c'est quoi le Raghunuga Bhakti ou bien c'est quoi la vérité spirituelle? Ben, on a toutes ces connaissances-là, c'est important. C'est pas de dire que non, c'est pas important d'avoir ces connaissances-là. C'est très important. Mais sur cette question spécifique que je demandais, et je reviens à ça. Hein? Attendez, non, je crois que il faut que je partage. Hein? Share screen. Est-ce que ça veut dire aussi en même temps que nous ne devons pas brûler les étapes dans cette échelle de yoga? Nous avons des étapes à suivre. Il ne faut pas brûler pour que ça. La première réalisation, c'est être conscient qu'on est une âme spirituelle. Après, suivre tout le processus, comme c'est écrit, et il ne faut pas vouloir aller vite. Parce que c'est ce que moi, je comprends. Non, il faut brûler les étapes. Le Bhakti Yoga, lorsque j'ai fini d'expliquer ça, vous allez comprendre que le Bhakti Yoga, c'est brûler toutes ces étapes. Mais il faut comprendre là où on est. Le Bhakti Yoga, ça nous aide à brûler les étapes et de ne pas aller systématiquement dans le système de Karma Yoga, Sakam Karma Yoga et tout ça. Mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas hypothétiquement être sur la plateforme de Bhakti Yoga et agir sur des plateformes intérieures, inférieures. Alors, laissez-moi continuer et on va comprendre. Là, on a, vous en souvenez que les dévots, ils ont parlé que je suis moins de 1, vous en souvenez? Oui? Oui. Oui. OK, alors voilà. Oui. L'étape moins 1, c'est ça. C'est à cause de ça que je dirais que je disais que je suis dans la même longueur d'onde que vous. Yoga, la échelle de yoga, étape moins 1. L'étape moins 1, c'est la vie comme la vie d'un animal. On n'a pas de possibilité de progrès, ni de jnana, ni de yoga.
on recule vers la vie d'ignorance de plus en plus épaisse avec les ugra karma. Vous voyez ce tableau-là? Donc, c'est ça, étape 1. C'est-à-dire qu'on a la vie comme la vie d'un animal. On n'est presque même pas un humain. Donc, on n'a pas de possibilité de progrès. À ce niveau-là, il n'y a pas de possibilité de progrès. Il n'y a ni possibilité de jnana. Il n'y a ni possibilité de comprendre que je suis pas le corps, je suis un âme spirituelle. Il n'y a ni possibilité de comprendre c'est quoi le yoga. C'est-à-dire la communion avec le suprême. Vous comprenez? Oui. Donc, dans cette étape de moins un, on recule vers la vie d'ignorance de plus en plus épaisse. Et à la rigueur, on peut même tomber dans la vie d'un animal lorsqu'on a fini avec cette étape et on n'a pas fait de progrès et on a continué de vivre comme un, je dirais le mot, comme un cochon. Donc, on va tomber dans une étape moins 10, moins 15 et on va avoir la vie d'un animal. C'est ça l'étape moins 1 avec les ugra karma. Maintenant, vous comprenez? Oui, clair. C'est grave même. Claire. Claire. OK. Oui, maintenant, Claire. On va voir l'étape 0. Étape 0. Échelle de yoga, étape 0. On vit en gardant les principes de la vie normale. Mais sans jnana. On n'a pas de connaissance qu'on est âme spirituelle. On engage dans le karmakanda. On engage dans l'adoration des divinités diverses, comme la photo le témoigne. On n'a ni envie de yoga, c'est-à-dire ni envie de communication avec le suprême, pas de possibilité de communion avec le suprême, mais on s'engage religieusement quand même. Mais on s'engage religieusement quand même. Et comment? Mais on essaie d'avancer matériellement dans la vie, en utilisant les concepts védiques ou les différentes disciplines religieuses. Et ça, c'est la même chose pour les autres religions. Comme vous voyez, les catholiques, ils vont à l'église et ils demandent « Dieu, gardez-moi bien, donnez-moi mon pain quotidien. » Ceux qui vont aux mosques, la même chose. Ils s'agenouillent devant Dieu et ils demandent que tu me gardes bien, tu me protèges. Et lorsque je serai fini ici, je vais aller dans là où je peux avoir une tasse de jouissance matérielle. Hein, c'est ça le principe de l'islam. Hein, il n'y a pas idée de salvation, il n'y a pas idée de libération. Ce que je vais aller dans une place où je vais avoir plus de jouissance matérielle. Et si on adore le karmakanda, le devata, c'est la même chose. On va aller dans des planètes édéniques, on va jouir encore plus qu'ici. Et pour les catholiques, on va aller dans le paradis où la jouissance est pleinement accessible. Donc, que ce soit le progrès matériel dans ce monde ou dans le monde de devant, c'est le karmakanda qui est là. C'est le karmakanda. Vous comprenez? Le karmakanda, ce sont les rites védiques, le karmakanda. Et parallèlement, ce sont les mêmes choses qui sont pratiquées dans les autres religions. Donc, on vit, on meurt et on se renaît dans un sens séculaire. Round and round and round and round. Vous comprenez? On vit, on meurt et on se renaît dans un sens circulaire, sans pour autant ayant une option de sortir. Ça, c'est étape zéro. Vous n'avez pas possibilité de gravir là. Vous n'avez pas opportunité de gravir là. Vous êtes dans un sens circulaire, c'est parce que vous gardez le principe de la vie normale. Maintenant vous comprenez l'étape moins, l'étape zéro. Donc, on est où, nous, les dévots? On n'est pas dans l'étape moins. On n'est pas dans l'étape zéro. Mais de temps en temps, on recule dans les étapes zéro. De temps en temps, on recule dans l'étape moins un.
on casse les principes, on fait des choses, des imbécilités qu'il ne faut pas faire. Mais à vrai dire, on est dans une différente étape. Alors, je vais continuer avec la présentation. Hein? Et puis après ça, ben, je serai... what am I doing? Share screen. Est-ce qu'on peut avoir ça sur le téléphone? OK. OK. Voilà. Maintenant, quel est le yoga ladder? L'étape de... l'étape là où on commence à faire le progrès. C'est l'étape 1. Quelle est cette étape 1? C'est le Sakama Karma Yoga. Ce n'est pas pour nous les dévoués. Je vous explique que si vous ne faites pas attention, vous tombez sur ces différentes échelles. Alors, l'étape 1, Sakama Karma Yoga. La vie commence à avoir un sens spirituel. La vie commence à avoir de sens spirituel. On essaye de rentrer en yoga avec le suprême. On essaye de la communion avec le suprême. Mais on est toujours attaché à nos actions qui nous emmène hein, le progrès matériel. Vous allez voir que beaucoup parmi nous, on va se reconnaître dans ce qui est expliqué dedans. La vie commence à avoir de sens spirituel. On essaye de rentrer en yoga avec le suprême, mais on est toujours attaché à nos actions qui nous emmènent le progrès matériel. On connaît déjà qu'on est âme spirituelle. J'ai pas mal de petites erreurs dans mon syntaxe, dans mon grammaire, parce que j'ai eu seulement une demi-heure pour préparer ça. Donc, on connaît déjà qu'on est âme spirituelle. Au niveau basique, c'est ça que je dis, au niveau basique. De temps en temps, on reconnaît, moi, je suis âme spirituelle, mais mon action est intéressée plus avec le corps. Donc, on connaît déjà qu'on est âme spirituelle, mais au niveau basique, on essaie d'abandonner la jouissance de fruits de nos labeurs, mais on reste conditionné. On essaie d'abandonner la jouissance de fruits de nos labeurs, mais on reste conditionné. On a la vision du progrès spirituel vers le suprême. On a la vision du progrès spirituel vers le suprême, mais la pratique reste difficile. Mais la pratique reste difficile. On se reconnaît un peu mieux? Oui, oui, pas bon. Ça fait réfléchir? Véni, ça fait réfléchir? Oui, pas bon. Ah oui, est-ce qu'on peut avoir ce support-là sur notre WhatsApp? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut avoir ce partage-là sur notre WhatsApp là, pour pouvoir l'avoir? Oui, oui, ce fichier. Ce que vous avez présenté là. Oui, le fichier là, oui. Ah oui, oui. OK, je vais corriger les erreurs parce que okay. Je vais essayer de bien le présenter. Parce qu'il n'y avait pas... Il y a le yoga ladder dans le... Il y a le yoga ladder qui c'est très simple. Je peux vous montrer un yoga ladder dans le... Attendez une minute, hein. Mais ce sont des choses qui sont très simples, ne sont pas bien expliquées. Attendez. Attendez une minute. C'est par exemple là un exemple de yoga ladder que vous allez voir. Hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça. Mais c'est plus pour les dévots, plus avancés à comprendre tout ça. Mais c'est tout qu'il y a. Il y a une échelle et moi, je voudrais savoir un peu plus de pour introspection, pour pouvoir nous comprendre nous-mêmes où on est tout. Et pour les choses qui sont difficiles pour nous, et là, on comprend. OK? Donc, il y a des choses comme ça, mais ce n'est pas complet. Donc, voilà, ce que je partage, c'est bien mieux. Donc, on va continuer.
Vous voyez ça dans l'écran là? Bien, je partage par l'écran. Share screen. Il n'y a pas d'écran partagé là. Oh, pour l'instant, on ne voit rien. Partage. Ok, là, c'est partagé. Ok, it's ok. Ok, ok. Donc, voilà. Donc, cette personne-là, elle a un sens. Vous voyez là, la photo, elle a un sens. Elle commence à avoir un sens spirituel. Hein? Aider les gens. Hein? Donc, on va au temple, hein, où on fait des pratiques spirituelles. Donc, on commence à avoir le sens spirituel. On commence à entrer en yoga avec le suprême. En communion. Yoga, pour comprendre ça en français, c'est communion. Mais on est toujours attaché à nos actions qui nous emmènent le progrès matériel. Comme vous voyez cette famille, ils sont ensemble comme une famille, c'est très bien. Ils vont au temple, hein? Et puis, ils restent ensemble. Mais ça fait plaisir de rester en famille. Ça fait plaisir d'avoir le bien-être de son corps, comme vous voyez dans ce tableau. Ça fait bien de faire de la charité pour les gens qui ont besoin, ou bien de faire des pratiques religieuses à la maison. Mais on reste toujours attaché dans la vie commune, dans la vie matérielle. On est toujours attaché à nos actions qui nous emmènent vers le progrès matériel. Donc, mais quand même, c'est différent avec le Karmakanda. Le Karmakanda, l'étape zéro, on essaie d'être religieux, mais on n'a pas envie de communier, d'avancer dans l'échelle de yoga. C'est-à-dire qu'on essaie de servir nos actes religieux pour pouvoir avoir le progrès matériel, comme j'ai écrit ici. Ni yoga, ni jnana, mais on essaie d'avancer matériellement en utilisant les concepts védiques ou disciplines religieuses. Mais ici, on essaie de communier avec Dieu. So, on commence à avoir des sens spirituels, on essaie de rentrer en yoga avec le suprême, mais on est toujours attaché à nos actions qui nous emmènent le progrès matériel. C'est-à-dire qu'on est dévot, oui, mais on ne veut pas quand même sacrifier tout, hein. On est dévot, mais dès le premier jour, on n'a pas envie de donner notre voiture à notre maître spirituel, d'abonder notre maison et de faire un transfert sur le nom du maître spirituel, de prendre tout notre argent et de l'envoyer au maître spirituel. On n'a pas envie de tellement faire ça. Hein? Donc, on a quand même des besoins qu'on essaye de garder pour nous-mêmes. Donc, on connaît déjà qu'on est âme spirituelle, oui, mais bien au niveau basique. On essaye d'abandonner la jouissance des fruits de nos labeurs, mais on reste conditionné. On a la vision du progrès spirituel vers le suprême, mais la pratique reste difficile. C'est ça le Sakama Karma Yoga, parce qu'en attaché, on a des difficultés à complètement abandonner nos attachements et notre réalisation de soi qu'on est âme spirituelle est très basique. Étape 2. Le Nishkam Karma Yoga, on va se reconnaître, on va peut-être voir où on est dans ce niveau-là. Étape 2, Nishkam Karma Yoga. Là, la vie commence à avoir plus en plus le sens spirituel. De plus en plus, le sens spirituel. On essaye de rentrer en yoga avec le suprême ardemment. On essaye d'accomplir nos actions et on les fait pour le progrès vers Dieu. Comprenez bien ce que je dis. On essaie d'accomplir nos actions et on les fait, ces actions. Ça devait être FAIT, non? On les fait, FAIT, pour le progrès vers Dieu. On essaie toujours de rester dans nos actions. On reconnaît déjà qu'on est âme spirituelle. On a une réalisation un peu plus que basique. C'est ça la progression que je vais essayer de vous montrer parce que c'est échelle de yoga. Au niveau plus élevé, on a la connaissance spirituelle. Là, c'est légèrement plus que la connaissance de base qu'on est âme spirituelle. On a une connaissance des actions, des activités qu'on fait et comment le faire correctement et tout ça. Et le jnana, la connaissance spirituelle plus que basique maintenant. Donc, on essaie d'abandonner la jouissance de fruits de nos labeurs. C'est ça le Nishkam Karma Yoga. On essaie d'abandonner
Hein, abandonner, c'est un seul mot. Je vais corriger tout ça. La jouissance de fruits de nos labeurs. On essaye de ne pas avoir intérêt aux fruits de nos labeurs. Hein, et si vous êtes vraiment à, et puis, et si vous êtes vraiment à ce niveau-là, vous allez m'envoyer votre la paye que vous aurez à la fin du mois, là, le complet avec moi. Okay? Et je m'y attends. Okay? Le tout, hein? Le chèque complet. J'attends mon nom, vous m'envoyez. Donc, vous comprenez ce que je présente là? Donc, vous vous situez oui, un peu mieux? Oui, pardon. Oui, pardon. Ouais. Hein? Donc, alors, on va voir les autres étapes. Et qu'est-ce que c'est le Bhakti Yoga en concurrence? Hein? Donc, alors là, c'était là. On s'engage en action désintéressée. C'est ça très important. C'est-à-dire qu'on fait les actions parce qu'il faut le faire. Mais moi, je ne suis pas intéressé avec ces actions-là. Mais il faut le faire. C'est mon devoir. Je fais, pour donner un exemple, je fais parce que c'est important que je le fais, mais je ne suis pas intéressé pour moi-même dans cette action. C'est ça le nishkama. Je n'ai pas de désir pour moi personnellement investi dans cette action, mais je l'ai fait. Parce que, comme Krishna a demandé à Arjuna, pourquoi tu ne t'engages pas dans une action désintéressée, comme ça tu n'auras pas à subir les réactions. Vous voyez là? On a la vision du progrès spirituel vers le suprême. C'est ça, le Nishkam Karma Yoga. Et puis, Advanced Stage of Yoga, vous voyez, c'est ça en anglais. Et l'étape avancée de yoga. On renonce à toute action intéressée. On renonce à cultiver toute connaissance indépendante. On renonce à toute activité par le sens et avec intérêt. C'est-à-dire, on n'est pas intéressé à accomplir, à souffrir nos sens. On mène une vie méditative sur Dieu. On a le contrôle du mental, on a le contrôle de nos sens et notre intellect est bien plus affûté. On a le contrôle de nos sens, notre intelligence est bien affûtée. OK? C'est ça actuellement. Comment il faut vraiment être sur cette étape avancée de yoga. OK. Donc, on renonce à toute action intéressé, hein? On renonce à cultiver toute connaissance indépendante, hein? On renonce à toute activité, ok, pour le plaisir de nos sens et avec intérêt. Personnel. On mène une vie méditative sur Dieu. On a le contrôle du mental, on a le contrôle de nos sens. Notre intelligence est bien affûtée. Vous comprenez? Étape avancée de yoga. Maintenant, Bhakti Yoga, c'est quoi? Aha! Le Bhakti, vous voyez clairement? OK. Bhakti Yoga, échelle de yoga, Bhakti Yoga. On renonce à toute action intéressée pour servir le suprême.
Vous comprenez? On renonce à cultiver notre connaissance indépendante et simplement on entre dans le service de l'être suprême. On renonce à toute activité pour le sens avec intérêt personnel. On mène une vie méditative sur deux. On a le contrôle. Je n'ai pas eu le temps de le faire. On a le contrôle du mental par le service de dévotion. Et on veut faire plaisir à Dieu. Vous excusez les erreurs parce que je peux parler le français, mais écrire, c'est autre chose. No problème. Donc, OK. Donc, vous voyez, donc, toutes les activités de Bhakti Yoga sont là. Hein? Je mets ça comme ça, c'est juste pour donner cette ampleur. On a l'étude, on a la compréhension de Krishna qui est au centre, le service de dévotion, la connaissance spirituelle, hein, on fait un peu d'austérité, on fait le Sankirtan, on étudie les livres, on fait le puja, on fait tout ça. Maintenant, il faut comprendre. On parlait, est-ce qu'on brûle les étapes? On brûle les étapes, mais on comprend où on est parce que l'action intéressée, l'influence de nos sens, l'influence de notre mental, l'influence de notre intellect nous influence et le désir d'avoir de connaissances, le désir de progrès matériel, le désir d'amasser le bien et de tout ça, d'avoir la réputation, d'avoir la connaissance, d'être connu comme un bon dévot et tout ça. Ça nous dérange d'être situé dans la plateforme de Bhakti Yoga. Parce que ce sont les symptômes des dévots qui sont contaminés par le désir, par le karma, action et réaction. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons comme dévots? Nous essayons de servir Krishna dès le premier jour. Même on a difficulté à suivre les quatre principes, ce n'est pas un problème. On vient au temple, on vous demande à chanter les Hare Krishna mantra. Hein, vous n'êtes pas ce corps. Donc, vous engagez directement dans le Bhakti Yoga dès le premier jour. Mais même si on engage dans le Bhakti Yoga dès les premiers jours, dans la conscience de Krishna dès les premiers jours, il faut savoir que les étapes que nous traversons sont là, pas à côté là. Ce sont les étapes que nous brûlons. Srila Prabhupada lui donne un exemple. Le Bhakti Yoga, c'est comprendre l'ascenseur. Vous comprenez? Lorsque vous prenez l'ascenseur, est-ce que vous passez par le niveau 1, le niveau 2 de l'escalier? L'escalier, ça fait comme ça. Et l'ascenseur, ça fait chut. Non? Mais lorsque vous prenez l'ascenseur, vous prenez un autre moyen pour pouvoir monter les étapes. Mais est-ce que théoriquement, vous passez par les étapes? Vous comprenez ce que je demande la question? Estelle, vous comprenez la question? Oui, je crois que oui. En fait, est-ce qu'on passe obligatoirement par les étapes ou est-ce qu'on peut pas forcément suivre, en fait? C'est ça? Voilà, pas forcément suivre les étapes, mais on passe par les étapes sans en prendre compte. Mmh. C'est comme si vous avez un bâtiment de 8 étages, vous prenez l'ascenseur et à côté, on a les escaliers. Mais lorsque vous êtes en ascenseur, vous êtes en lift, ascenseur, comment on dit? Oui, comment on dit? Ascenseur? Ascenseur. Ascenseur, OK. Donc, vous prenez l'ascenseur, vous montez, et à côté, ce sont l'escalier qui va comme ça. Donc, vous êtes au courant. Moi, je suis maintenant peut-être au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, et j'arrive très vite au niveau 8. C'est ça, le Bhakti Yoga. On prend l'ascenseur pour avoir... Hein, donc, dès le commencement, comme on est rentré dans l'ascenseur, dans le livre, dans l'ascenseur, on est bien conscient que très, 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 très vite, on va aller au niveau 9. Très vite. Chut,
on va aller au niveau 9. Hein? Mais on est conscient aussi qu'on essaie de brûler ces étapes. On ne passe pas par le karma yoga, le jnana yoga, le ashtanga yoga, le nishkam karma yoga, le shakam karma yoga, le karma kanda. On ne passe pas tout ça. Krishna dit, prenez l'ascenseur, mon cher dévot. Maintenant, vous comprenez? Donc, mais dans notre système à nous, parce que non, on est engagé dans ce monde matériel, le sens, le mental, l'intelligence, le désir de connaissance, le désir de perfection, le désir de yoga, le désir de quoi que ce soit, il reste dans le système. Donc, la purification, ça ne vient pas de sitôt, mais c'est ça, échelle de yoga. Vous comprenez maintenant? Hare Krishna, Prabhu. Oui. Prabhu, si je comprends bien les explications ici, c'est-à-dire en suivant les différents types de yoga, c'est-à-dire en passant par les escaliers, par niveau, on perd, c'est-à-dire en énergie d'abord, si on veut prendre le côté un peu physique, on perd en énergie et on perd en temps. Or, en prenant l'ascenseur, on fait moins, c'est-à-dire moins d'efforts et on arrive un peu plus vite au niveau supérieur. Oui, c'est aussi très difficile de pratiquer le karma yoga parce que la situation dans le monde n'est pas organisée selon le varnashram. Ça, c'est autre chose. La société n'est pas organisée pour nous forcer à faire... Sans plus personne, problème de connexion. Donc, parfois les hindous, ils parlent beaucoup de karma yoga. Vous êtes tous là? Ok. On a dû rater beaucoup, Pramu, parce que vous étiez déconnecté. Hein? Oui, j'étais déconnecté. Mais on est tous là, on est tous retournés. Voilà. Ok. Oui, Pramu. Donc, parfois, dans la communauté hindoue, on parle beaucoup de karma, on parle beaucoup de karma yoga. Mais dans la pratique, c'est difficile. Il n'y a personne qui peut faire action désintéressée. Hein? À la fin du mois, ils ont bien la fiche de paye et l'argent, ils ne veulent pas donner à personne. Ils ne veulent pas dire, bon, je vais prendre 10% de ça et je vais mettre pour service de Dieu. Ils n'ont jamais suffisant. Donc, Dieu nous donne la lumière, la terre, l'air, le soleil, hein, la végétation, l'oxygène, et on n'a pas envie de verser 10 $, 5 $ pour le plaisir de Dieu, pour servir Dieu. Donc le karma yoga, c'est difficile parce qu'on est tous investis dedans pour nous-mêmes. Mais le bhakti yoga, il y a un sens de purification spirituelle. Donc dans le sens de cette purification spirituelle, on commence à devenir dévot de Krishna, on commence à servir Krishna dès le commencement. Et très vite, hein, très vite, on est bien accompli. Comme Séverin le disait, donc, il est sur étape moins. Maintenant, il peut-être réalise qu'il est sur étape 2, hein, il est étape 3, même plus à un certain moment donné parce que il ne participe pas dans les activités ugrakarma. Il ne participe pas dans les activités animaliers. Participe dans les activités qui a un bon sens pour servir Krishna, mais on arrive à le faire parfois et parfois on échoue. Donc, avec l'association des dévots et bien accomplir nos responsabilités spirituelles en connaissant que moi, je suis âme spirituelle, c'est déjà un stage avancé. Donc, analyser ça bien, essayer d'éviter les étapes. Il faut essayer de brûler les étapes. OK? Moi, je ne veux pas de ça. Hein?
Par exemple, pour moi, c'est que je suis dans le service de dévotion et je, parfois, c'est important que je n'essaie pas de trop cultiver la connaissance. Parce que je cultive la connaissance, mon maître spirituel m'avait dit, il ne faut pas toujours cultiver la connaissance pour pouvoir être connu comme un érudit, parce que c'est peut-être, on a une tendance, il ne me disait pas ça personnellement comme ça, mais peut-être la tendance, parce qu'il me connaissait depuis des années, moi je suis dans la lecture, je vais m'asseoir ici et je vais lire pour 8 heures de temps d'affilée. Et je commence à lire à 6 heures, 7 heures là, dans l'après-midi, et je vais aller me coucher à minuit. Je ne suis jamais fatigué dans la lecture. Donc, mais il faut attention que je ne suis pas dans la conscience de Krishna pour devenir un érudit. Je suis quand même un serviteur de Dieu. Donc, ça, c'est une contamination qui peut venir. Ou bien que peut-être on a tellement envie d'avoir des pouvoirs mystiques, on a des pouvoirs, comme parfois c'est dans le animisme, il y a cette tendance. Moi, je vais être connu comme une personne puissante. Donc, je pratique le yoga, la méditation pour devenir fort, mentalement, spirituellement. Ça, c'est aussi pas correct. Hein? Donc, il faut tout simplement se prosterner devant Dieu et dire, bon, je suis votre serviteur. Et tout ce que j'ai intellectuellement, tout ce que j'ai mentalement, tout ce que j'ai reçu physiquement, le corps, le sens que j'ai, je vais vous servir avec ça. C'est ça le bhakti yoga. Hein? Donc, je crois que le message est passé. Yeah? On a tous, hein, oui. on est tous, on peut être tous attrapés dans un niveau inférieur. Donc, lorsque vous allez lire maintenant, hein, lorsque vous lisez la section ici là qui est devant nous, hein, le verset 17 à 35, ce sera très vite compris. OK? Alors, ce que je vais faire, Hare Krishna, OK, je vais arrêter ça. Et nous retournons, s'il vous plaît. Nous allons retourner et je vais faire vite lire ces versets moi-même. Et vous allez écouter et vous allez voir comment j'ai expliqué ça dans le teneur reporté. Donc, je vais aller vers le verset. Je continue avec le verset 20. OK? OK. Alors, vous écoutez bien et vous lisez ensemble avec moi, vous suivez dans votre livre, 20 et 21. Les rois comme Janaka atteindraient la perfection par le seul accomplissement de leurs devoirs prescrits. Assume donc la chasse, ce serait-ce que pour l'édification du peuple. Donc, Janaka, c'est le père de Sita Devi, l'épouse de Lord Ramachandra. Lui, il a accompli son devoir prescrit correctement. Donc, ce sont des exemples qu'il donne. OK, donc il était parfaitement dans son devoir prescrit. Donc, il a fait parfaitement son karma yoga, dans un sens. OK? Alors, maintenant le verset 21. Alors, Krishna dit que pour donner l'exemple, c'est important qu'on donne l'exemple parce que quoi que fasse un grand homme, la masse des gens marche toujours sur ses traces. Le monde entier suit la norme établie par son exemple. Donc, une grande personne comme le maître spirituel ou bien comme un grand roi, il essaye d'accomplir toutes choses correctement parce qu'il donne l'exemple. OK? Alors, le verset 22. Au fils de Pita, il n'est dans les trois mondes aucun devoir qui me faille remplir. Je n'ai besoin de rien. Je ne désire non plus rien. Et pourtant, j'accomplis le devoir prescrit. Donc, ici, ça parle de karma yoga, le devoir prescrit, le devoir prescrit, le devoir prescrit. Parle de karma yoga. Qu'on a bien compris maintenant. Et verset 23. Il y a un, car si je ne m'acquittais pas avec soin de mes obligations, tous les hommes suivraient la voie qu'ainsi j'aurais tracée. Donc, Krishna donne l'exemple.
Il donne l'exemple qu'il faut faire ce qu'il faut faire. C'est tout, c'est très simple. Et c'est ça qui est les modalités qu'il faut remplir pour faire le karma yoga correctement. C'est ça que Krishna elle dit. Donc, et si je n'assumais pas mes devoirs, hein, le monde s'assombrait. Et il y aura beaucoup de populations indésirables. Donc, il faut bien accomplir son devoir spirituel, son devoir conditionnel. Il faut être un bon papa, une bonne époux, une bonne épouse, avoir des bons enfants. Et si Krishna ne faisait pas ça, par exemple, le monde suivrait son exemple, il y aura hein, des faux prétendants. C'est ça le karma yoga. Mais on n'est pas tellement intéressé avec tout ça, non? Hein? Alors Krishna dit donc dans le verset 25, « Les ignorants suivent leur devoir en s'attachant aux fruits. » Maintenant, il commence à expliquer. Les ignorants, ils suivent leur devoir en s'attachant aux fruits de leurs actes, alors que les hommes éclairés s'en acquittent sans attachement. Alors, c'est ça que j'expliquais, et non pas action intéressée, dans le dessein de guider le peuple. Le verset 26. Le sage avisé ne doit pas perturber les ignorants attachés aux fruits. Donc, il ne faut pas dire aux gens d'abandonner toutes leurs activités parce que s'ils ne peuvent pas le faire correctement, ça ne vaut pas la peine. Donc, vous dérangez les personnes qui sont ignorants. Il ne faut pas le faire. Donc, vous allez lire ça et on va revenir avec ça. Et puis, le verset 27, c'est très important pour comprendre que toute action que nous faisons, c'est fait par le Prakriti. Prakriti kriyamanani gunei karmani sarvasa ahankar vimudatma kartahaminti banyate. Et ça, on va parler de ça. Maintenant, je vais prendre un léger 5 minutes de repos parce que je me sens fatigué. Et puis, on va faire une quinzaine de minutes plus et on va venir à ça. Et on va venir avec le verset 27 à 35 pour 10 minutes et puis ce sera complété cette section. OK? Donc, si vous me permettez, là, je prends un break de 5 minutes. Je reviens et on va entrer dans les discussions vers le 27, 28, 29 jusqu'à 35 pour une quinzaine de minutes et on va finir. OK? So, on se revoit dans 5 minutes.
Hare Krishna. Ok. Donc, ok, on va continuer à lire le verset 27. Ok, Hare Krishna. Alors là, ce verset-là, c'est très important. Je crois aussi ce verset, il faut savoir ce verset-là par cœur. C'est Prakriti Kriyamanani, Gunei Karmani Sarvasa, Ahankara Vimudatma Kartaham Iti Manyate. J'attends les dévots, ils ne sont pas là toujours. Hein? C'est un verset qu'on doit apprendre, ça, Prabhu. Oui, c'est un verset qu'on doit apprendre. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvasa ahankara vimudatma kartaham iti manyate. L'âme qui est illusionné par le faux ego, qu'il est égaré par le faux ego, croit être l'auteur d'actes qui sont en réalité accomplis par les trois modes d'affluence de la nature matérielle. On est tous là? Il faut sonner la cloche d'école. Oui, nous sommes là. Donc, Prakriti Kriyamanani, c'est Prakriti. Prakriti, c'est la nature matérielle. La nature matérielle accomplie à travers les trois modes de la nature, c'est-à-dire à travers les trois gunas, hein, les trois fréquences d'action. Il y a le tamogun, mode d'ignorance. Le Rajogun, le mode de passion, et le Sattvagun, le mode de bonté. Les trois gunas, ce sont les trois fréquences des différentes actions. Toutes nos actions sont dans ce sens-là. Et donc, et le Prakriti, la nature matérielle, il accomplit tout qui est action qui est que nous voyons dans le monde. Or, parce que Prakriti, il accomplit ce que nous voyons dans le monde, les actions qui sont là. Ben, parfois on dit, ben non, c'est moi qui est l'auteur de cette action. C'est moi qui fais ça là. C'est moi qui réponds ces questions. C'est moi qui fais ces actes. C'est un concept très difficile à comprendre. Mais je vais vous donner un exemple. OK? Si on vous demande, OK. Alors, il y a quelqu'un qui vous lance des mots.
hein, qui vous fait écouter des propos qui ne sont pas corrects. Ok, je donne un exemple. Alors là, il y a une personne qui lance des propos à une personne A, B et C. La première personne, il entend ses propos à propos de lui et ça ne lui dit rien. Il n'est pas dérangé. Ce sont ces mêmes propos qui sont envoyés à la deuxième personne et il commence à vociférer, il commence à s'engager avec la personne. Et puis, c'est comme ça. Et la troisième personne, dès qu'il entend les propos, il prend un homme et il essaye de tuer la personne. Vous comprenez? Donc, il y a une action, une seule action, un seul type d'action par un individu, trois personnes différentes, trois réactions différentes. Est-ce qu'on pourrait déduire qu'il y a quelque chose d'autre qui est entré en action ici? Oui ou non? Vous comprenez ce que je dis? S'il vous plaît. Réveillez-vous. Moi, je dirais plutôt non. Donc, comment vous expliquez ça? Quelque chose d'autre qui tourne entré dans l'intermédiaire? C'est les différents couleurs. Le fuego. Non, c'est plutôt les gunas. Oui, les gunas aussi. L'action, il paraît que l'action est faite par cette personne. Cette personne fait cette action. Il nous envoie des propos qui ne sont pas très plaisants. La première personne, il reste calme, souriant, il part. La deuxième personne, il essaie de vociférer, de bien répondre et tout ça, entre dans une petite querelle et puis c'est fini. La troisième personne, il prend un homme tranchant et veut « je vais te tuer ». Et il entre en bagarre et puis en meurtre. Il y a quelqu'un qui est tué. Allez. L'action est commune. Il y a une seule action. Une personne qui vous jette des propos. Un, deux, trois. La première personne agit différemment, la deuxième personne ainsi différemment, et la troisième personne aussi agit très, très, très différemment. Donc, qui est entré en action ici? Ce n'est pas l'action, ce n'est pas la personne. Vous comprenez? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose entre qui est en train d'agir là? C'est l'influence des trois gunas. Voilà. L'occupation et l'ignorance. Voilà. Donc, qui est en train d'emporter la première personne d'agir d'une façon, la deuxième personne d'agir d'une autre façon et la troisième personne d'agir d'une autre façon? C'est comme s'il y a un intermédiaire. C'est le guna. Donc, qui fait cette réaction? L'action de cette première personne, il est paisible, il sourit, il part. La deuxième personne, il essaye de vociférer, de faire une petite querelle et puis, OK, c'est fini pour lui. La troisième, il est complètement dans la colère, il prend une arme et tue l'autre personne. Ce n'est pas l'action qui est emmenée par la personne qui fait les propos. Ce n'est pas les propos, mais il y a une autre chose qui est en train d'agir, c'est le guna. Dans la première personne, il était influencé par le sattva-gun. La deuxième est influencée par la passion. La troisième personne est influencée par le mot d'ignorance. Vous comprenez?
Donc, lorsque vous comprenez ça, vous comprendrez très clairement que ce n'est pas moi qui fais. C'est le guna qui m'influence à faire. C'est le guna qui m'influence à faire. Donc, dans une façon, directement, c'est le guna qui le fait. Mais seulement moi, je crois que c'est moi qui le fais. C'est ça qui est expliqué dans ce propos-là, dans ce verset 27. Allez, Krishna, donc, si vous êtes égal. Oui, Evelyne. Excusez-moi. Si on est influencé par les gunas, mais on reste responsable de nos actes. C'est voilà. Lui qui agit, c'est nous qui sommes. Oui, vous restez, vous êtes quand même témoin passif, mais vous êtes témoin passif de votre acte comme un âme spirituelle, mais vous êtes condamnable. C'est horrible, non? Oui. Vous êtes témoin passif comme un âme spirituelle. Je suis témoin passif de cet acte, mais je suis condamnable. Vous aimez bien être dans une situation pareille? Non, pas du tout. C'est intéressant. C'est la situation que nous sommes. Oui, c'est ça. Quand on réalise ça, c'est dur. C'est très dur. Mais Evelyne, entre moi et vous, vous avez voulu de ça, hein? Essayez-vous. Vous comprenez? Oui. Qui vous a dit de quitter Krishna, hein? Oui, oui. Je me le dis vous tous comprenez jours. Maintenant, hein? Donc, qui oui, nous a dit oui. De quitter Krishna? Oui, je me le dis tous les jours. Voilà. C'est bien intéressant de comprendre ça. L'âme spirituelle n'est qu'un témoin passif. Mais il est condamnable. C'est intéressant. Donc, alors, parce qu'il est condamnable, il a cette identification avec le corps. Là, c'est une autre, un supplément de connaissance sur le Guyana. Quand on est un âme spirituelle, on est séquestré, on est conditionné dans ce corps, mais on n'est pas l'auteur des actes, de nos actions, mais on est condamnable pour nos actions. Et c'est Prakriti qui le fait. Donc, c'est un monde très, très, très douloureux pour l'âme spirituelle. Qui n'est pas convaincu? Yugala, pourquoi vous grattez la tête? J'ai un petit doute quant à la passivité, de notre passivité. On est témoin, oui, ça passe, mais on n'est pas du tout passif. On est aussi actif. Peut-être pas les seuls actifs, mais dire qu'on est passif, c'est peut-être nous rendre comme victimes. Que les choses... Si vous êtes victime de la nature matérielle. On est tous victimes de la nature matérielle. On n'a pas la capacité de gérer la nature matérielle parce que la nature matérielle, elle est très forte. Elle appartient à Krishna. Elle n'appartient pas à moi et vous. Donc, elle n'a pas moyen de manipuler la nature matérielle. Elle nous manipule. Elle est très forte et elle a envie de servir Krishna et nous essayons de l'utiliser pour notre concupiscence et notre jouissance. Elle ne se laisse pas faire. Oui. La nature matérielle, les choses matérielles, le prakriti, elle appartient à Krishna, elle ne nous appartient pas. Elle ne peut pas être pilé par le jiva. L'âme spirituelle, il reste conditionné dans la nature matérielle. Il est prisonnier dans la nature matérielle. Il reste comme un témoin avec les bras attachés à l'arrière. Il ne peut rien faire. Mais seulement, s'il est inquiet à servir Krishna, là, Krishna, il essaie de lui donner l'intelligence et la capacité d'utiliser
de le désir d'utiliser les sens dans le service de Krishna. Et là, elle commence à spiritualiser. Autrement, s'il n'a pas l'équation de Krishna dans son viseur, dans la vision, la nature matérielle ne le laisse pas faire. Ça, c'est un sujet très intéressant. On peut parler, discuter de ça pour 5 heures de temps. Mais Estelle paraît très triste pour apprendre cette situation douloureuse. Non, en fait, non, je me demandais, je fais, en gros, le caractère de chaque personne, ça n'existe pas, en fait. Le caractère, c'est les gunas. Ça pourrait être ça. Mais vous attirez le guna pour votre karma. Guna, karma, oui, vibhagas. Ça, j'ai bien compris, mais en gros, c'est le caractère. Vous avez fait dans le passé, oui, vous attirez le guna. Notre caractère qu'on dit qu'on a, on est gentil, on est méchant, on est ceci, on est cela, c'est plutôt les gunas, en fait. C'est pas un caractère donc, qu'on a. Donc, on blâme qui? Les gunas? Non, mais nous-mêmes, parce que ça vient de votre karma. Ah, ok, ça, c'est bon. C'est ça qui est intéressant. Hein? C'est ça qu'on est condamné à prendre ces gunas par la force de nos actions que nous avons faites dans le passé. Donc, on va sortir de là parce que cette discussion est trop élevée, c'est pour le chapitre 13. OK, mais vous avez compris les premiers éléments de cette discussion. OK. So, on sort de là, on va aller dans le verset 28. OK. Je voudrais quelqu'un lire le verset, seulement la traduction, et pas à la lueur de l'avion, s'il vous plaît. Bhakta Johnny, pas bon? Allez-y. Ô Arjuna, bras puissant, celui qui a connaissance de la vérité absolue ne sera pas esclave des sens et du plaisir, car il connaît bien la différence entre l'acte intéressé et l'acte dévotionnel. Voilà. Lorsqu'il est dans l'acte dévotionnel, il utilise le prakriti, le sens, le corps, les objets dans le service de Krishna. Il est libéré. Quand il n'a pas cette connaissance de la vérité absolue, il est dans l'acte intéressé pour lui-même. Et qu'est-ce qu'il arrive dans ce sens? Il n'a pas le jnana, il n'a pas la connaissance que je suis âme spirituelle, que tout appartient à Dieu. Il est dans l'acte intéressé. Donc, celui qui a la connaissance de la vérité absolue, il n'est pas esclave. Il est libéré parce qu'il agit pour le plaisir dévotionnel de Dieu. Il n'est pas intéressé dans le Shakam Karma Yoga ou le Nishkam Karma Yoga. Voilà. Il est intéressant dans le Bhakti Yoga. Le verset 29. Personne ne peut lire? Hare Krishna Prabhu. Allez-y. Dérouté par les trois gunas, l'ignorant s'absorbe dans des activités matérielles auxquelles il s'attache. Le sage ne doit toutefois pas le troubler, même si à cause d'un savoir déficient, ses actes sont d'ordre inférieur. Donc l'ignorant, il absorbe dans les activités matérielles, il est attaché avec cette idée que c'est moi qui le fais. Il est simplement attaché à faire ses activités matérielles parce qu'il est, sot. Il est un gros idiot. Il ne connaît pas que c'est Prakriti qui prend en charge de toute action. Mais il croit être l'auteur de ses actions. Donc, il est dérouté par le Prakriti. Le Prakriti fait ses actions et il croit que moi, je fais ses actions. Il est dérouté. Et dans ses activités matérielles, il s'attache. Ah, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. J'ai bien donné une leçon à cette personne qui a envoyé des propos, je l'ai tué. Mais idiot, ce n'est pas toi qui as fait ça, ce n'est pas Kitty qui a fait ça. Mais tu as eu le désir de le faire. Mais tu étais témoin passif. Mais maintenant, tu crois que tu es l'auteur. Mais donc, OK, très bien, on va te condamner pour ça. Comment c'est triste, hein? Donc, le sage ne doit toutefois pas le troubler, même si à cause d'un savoir déficient, des actes sont d'ordre inférieur. Donc, si on a difficulté à accomplir un acte correctement, ben OK, ça va. C'est possible. Mais il ne faut pas s'attacher à ces actes. OK, verset 30.
Hare Krishna. Allez-y. Aussi, ô Arjuna, me consacrant tous tes actes en pleine connaissance de ma personne, sans chercher le gain ou revendiquer la moindre possession, sans te laisser abattre, combat. Vous comprenez ça très bien, me consacrant tous les actes en pleine connaissance de ma personne. Donc, il dit, ben, tu peux consacrer ces actes à moi, sans chercher le gain et revendiquer la moindre possession. C'est-à-dire comprendre que moi, je suis Dieu suprême, il y a le Prakriti qui agit en intermédiaire et toi, tu ne fais rien, vraiment. Tu es un témoin passif là. Donc, allô? Oui, mon cas que j'aurai dans 5 minutes, moderne classe. Oui, ouvert. Donc, me consacrant tous les actes en pleine connaissance de ma personne, sans chercher le gain ou revendiquer la moindre possession, sans te laisser abattre, combat. Donc, tombe pas dans la dépression, fais ce que tu as à faire et consacrant les actes en pleine connaissance de moi. Hein? So, c'est très bien ça. Mai sarvani karmani, sannyasa dhyatma chetasa. Sannyasa, c'est-à-dire en soumettant complètement, en abandonnant les actes et les réactions de ces actes. Nirasir nirmano bhutva, nirasir. Et il ne faut pas avoir la dépression ou le désir. Ni l'un ni l'autre. Donc, on fait ce qu'il faut faire. C'est quoi ça? C'est le Nishkam Karma Yoga. Maintenant, vous reconnaissez? Vous allez lire le fichier que je vous ai envoyé. Ça, c'est le Nishkam Karma Yoga. OK. Nirmana Nirahankara, de toute façon. Et puis, verset 31. Lisez. Oui, allez-y. Ceux qui remplissent leurs devoirs selon mes instructions et suivent ces enseignements avec foi, sans envie, se libèrent des chaînes de l'action intéressée. Oui, l'action intéressée, c'est le karma yoga avec action intéressée, c'est le shakam karma yoga. Vous comprenez tout ça maintenant? Hein? La chaîne de l'action intéressée, c'est le karma yoga avec désir pour moi-même, action intéressée. Donc, si on remplit nos devoirs et on suit les instructions divines et on n'est pas intéressé avec les résultats de nos actions, right, ça c'est très bien. C'est ça que Krishna dit ici. Hein, c'est une étape de Nishkam Karma Yoga. Allez, 32. Hare Krishna. Oui, Evelyne. Mais ceux qui, par envie, négligent mes enseignements et ne les suivent pas sont tous illusionnés et dénués de connaissances. Leur marche vers la perfection est vouée à l'échec. Hare Krishna. OK, c'est très clair, non? Par envie, c'est par jalousie. On est envieux de Dieu, donc on néglige les enseignements supérieurs. Et on est complètement donc illusionné. On n'a pas le jnana, on n'a pas la connaissance. On ne connaît pas qu'on est âme spirituelle. On ne connaît pas qu'il y a Dieu suprême. On ne connaît pas qu'il y a Prakriti qui agisse comme intermédiaire pour accomplir les actions. On se croit le roi de tout ce qu'on fait. Donc là, on est dans l'échec complet. Là, on est dans l'échec complet. Donc, Krishna, il explique Nishkama Karma Yoga et de l'autre côté, il dit, voilà, la première étape de ça, vous voulez être là. Donc, analysez bien l'échelle de yoga que je vous présenterai hein, comme fichier et vous analysez toutes ces versets dans ce sens. Et puis, vous lisez ça, on va faire une demi-heure encore demain et je demande bien que vous lisiez tout ça demain, hein, aujourd'hui. Et le verset 33. Hare Krishna. Allez-y, Esto.
même l'érudit agit selon sa nature propre, car chacun agit selon la nature qu'il a acquise au contact des trois gunas. À quoi bon la refouler? Oui, on ne peut pas refouler nos actions. Si vous êtes une personne qui vous aimez le travail manuel, le labeur manuel, bien vous allez faire le labeur manuel. On ne peut pas vous demander de s'asseoir et devenir un érudit. Donc, un gyani qui est transcendantal, il essaye de simplement entrer dans ce principe de gyana, ce tout qu'il connaît. C'est son nature propre. Donc, il y a une personne qui est très coléreux parce qu'il a toujours envie de la passion de la guerre parce qu'il est peut-être de nature kshatriya. Donc, il faut qu'il engage correctement selon son action. Il ne faut pas refouler notre action, mais utiliser, il ne faut pas refouler notre nature, mais simplement utiliser dans le sens correct. Et puis, le verset 34. Hare Krishna. Allez-y. Il existe des principes aidant à maîtriser l'attraction et la répulsion que l'on éprouve pour les objets des sens. On ne doit se laisser dominer ni par l'attachement, ni par l'aversion, car il faut obstacle à la réalisation spirituelle. Donc, il faut avoir cet équilibre. Il ne faut pas avoir trop de choses qu'on aime et trop de choses qu'on déteste. Il ne faut pas avoir trop d'honneur qu'on essaye de poursuivre et trop de déshonneur qu'on essaye de se renoncer. Il ne faut pas avoir trop de gains qu'on est attaché avec et trop de pertes qu'on n'est pas content avec. Il faut être équilibré parce que ces deux choses, raga dvesa, l'attachement et l'aversion, ce n'est pas correct. Parce que pourquoi? Il faut savoir s'équilibrer en comprenant que c'est Prakriti qui fait ses actions. Donc pourquoi est-ce que ça me dérange? S'il y a des gains, c'est parce que c'est Prakriti qui agissent en fonction de mon karma. Parce que je suis en perte totale, en tout genre de perte, c'est parce que Prakriti qui le fait accomplir ce qu'il faut accomplir en fonction de mon karma. Pourquoi ça devrait me déranger? Moi, je suis âme spirituelle. Ça n'a rien à faire avec l'âme spirituelle. La destination de l'âme spirituelle, c'est autre chose. Ça n'a rien à faire avec ça. Donc, pourquoi il faut que j'ai de l'envie? Pourquoi est-ce que je compare avec les autres personnes? Pourquoi est-ce que je déteste ça et j'aime ça? Donc, c'est rien à faire. Je suis tout simplement un témoin passif, moi. Bon, je reste un témoin passif. Je suis âme spirituelle, donc je reste dans mon identité comme une âme spirituelle. C'est le jnana, c'est l'application de toute cette connaissance que je suis âme spirituelle. Donc, on n'est dominé ni par l'attachement, ni par l'aversion. Parce que si on essaye de s'identifier avec beaucoup d'attachement et d'aversion, ce qu'on reconnaît comme étant la personne qui est l'auteur des actions. Or, on n'est pas l'auteur des actions. On est le témoin passif des actions. L'auteur des actions, c'est le Prakriti. Donc, il faut bien comprendre, c'est ça. Maintenant, on amène les actions, les différents types d'actions, et qui est à la base l'auteur de toutes ces actions? C'est le Prakriti, la nature morte, la nature matérielle. Donc, pourquoi se déranger alors? Pourquoi ça devait nous faire de la peine? Vous comprenez? Et lorsque vous comprenez tout ça, ce sont les étapes de connaissance de jnana qu'on essaye d'utiliser pour comprendre différentes étapes de connaissance. Ça va prendre un bon bout de temps pour que ça s'intériorise dans le corps, dans la connaissance, dans le penser. Et verset 35. Hare Krishna. On va s'arrêter à présent. Oui. Mieux vaut s'acquitter de son devoir propre, fût-ce de manière imparfaite, que d'assumer parfaitement celui d'un autre. Mieux vaut échouer en remplissant son devoir que remplir celui d'autrui, car suivre la voie d'un autre est fort périlleux.
Ça, c'est très important psychologiquement, personnellement, pour chacun de vous, chacun de nous. Il ne faut pas voir, OK, pourquoi lui, il fait cette activité? Pourquoi moi, j'aurais mieux fait ça? Dans le sens que si vous êtes situé correctement, il vaut mieux garder nos activités qui sont propres à nous. Parfois, on dit, ah, j'aurais peut-être fait cette activité-là mieux que cette personne. Et donc, on essaye de rentrer dans les souliers d'autrui. On essaye d'accomplir des choses qui ne sont pas à nous. Other people's business. Hein? Ce ne sont pas à nous de décider. Ce n'est pas à nous de juger. Ce n'est pas à nous de voir. Donc, rester là où l'on sommes et faire ce devoir correctement, même si ce n'est fait pas à la perfection. Il y a des imperfections. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il demande à Arjuna, c'est que vous êtes Kshatriya. Pourquoi vous voulez devenir Brahmana et aller dans la forêt prendre le sannyas? Restez comme un Kshatriya. Même si vous échouez, ça va, ça n'a pas un problème. C'est le devoir prescrit pour vous, c'est de rester comme un Kshatriya, battre comme un Kshatriya, et vous ne faites pas cet accomplissement de ce devoir correctement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Ce n'est pas un problème. Mais n'essayez pas de devenir un sannyasi, même si vous pouvez l'accomplir correctement. Donc, si vous êtes une dame, restez comme une dame. Nous avons des devoirs qui nous sont propres au sexe correspondant. Si vous êtes un homme, vous avez des responsabilités, des actions qui sont correspondantes au corps masculin et au corps féminin et d'autres choses. Donc, restez dedans. Dans tout niveau, à tous les niveaux, il faut faire comme ça. Il faut rester là où on est, dans l'action qui nous est présentée, et il faut le faire correctement. Et lorsqu'on est dans une situation et on essaye de servir Krishna là d'où on est, il n'y a pas un problème. On essaie de toujours changer, Prabhupada n'aimait pas ça. On change la conscience, on change la mentalité, l'intellect. On le fait avec le jnana. On le fait avec le jnana, avec la connaissance spirituelle. C'est tout. On le fait avec la conscience. La différence entre les devoirs d'un homme et d'une femme, on les a où? Oui, c'est parce que tout est bafoué dans la société. Mais on a quand même, respectif. Maintenant, dans l'Amérique, ils veulent dire que même les hommes, ils peuvent enfanter. Ce n'est pas possible. Ils ont un third gender, fourth gender, fifth gender. Vous savez ça, non? Moi, c'est pas une question de il ou elle. Ça peut être ce que je veux. En Amérique, maintenant, c'est ça. C'est la pagaille totale. Donc, OK, on arrête là. Et puis, Arjuna, maintenant, il va poser des questions à partir de verset 36 jusqu'à verset 43. On va compléter. Et puis, on va faire une petite révision demain, OK, sur ce qu'on a parler, je vais essayer d'envoyer ce fichier pour vous. Vous étudiez le chapitre entier, s'il vous plaît. Maintenant, demain, à quelle heure je commence demain? Parce que moi, j'ai un problème, parce qu'il faut que je finisse à 7 heures. Demain après-midi, il faut que je finisse à 7 heures. Et donc, je peux commencer à 5 heures. Maintenant, l'autre problème, c'est que je dois aller à cérémonie de mariage à 3 heures et je reviens, je fais la classe entre 3 heures et 7, entre 5 heures et 7 heures et puis à 7 heures, j'ai un programme à un autre village là. Donc, il faut que je change le schedule si c'est OK pour vous. OK, Prabhu, on peut changer de jour si vous n'êtes pas disponible. Ouais. Ah oui, on reporte la semaine prochaine. Demain, si je commence à 5 heures, je fais pour 1h30, ce sera suffisant, je vais compléter ça. 5 heures ici, de Maurice.
Même heure qu'aujourd'hui? Non, aujourd'hui, non, on a commencé à 6h30 passée. Oui, demain, 5h. Non, Prabhu Gopinath, il proposait de faire aux mêmes horaires qu'aujourd'hui, en fait. Si ça vous arrange. Non, c'est pas possible. Pour vous, c'est possible? Oui, bah, apparemment, les autres, non. Non, c'est pas possible. À 5 heures, c'est bon, mais à 3h30, on ne pourra pas être là. À 5 heures, c'est bon. Ouf. Si ça vous convient. Là où je fais le satsang, la famille de Nitya Gopal Prabhu, il a sa sœur qui se marie, donc il faut que j'aille là aujourd'hui et demain. Et j'ai un programme encore, j'ai ma classe qui commence là, avec les vieilles, dans 2 minutes. Mettez-moi la semaine prochaine. Demain, non, on ne peut pas rater. Hein. Demain, on commence à 5h15, OK? Okay, demain, si ça faut commence, hein, je vais conduire et je vais faire la classe en même temps demain. 5h15, l'équivalent en Afrique de l'Ouest. 9h15. Estelle, c'est quelle heure en Afrique de l'Ouest? Je ne connais pas cette affaire-là. 5h15. Alors, vous asseyez ici à 5h. Je commence à 5h. La réunion à Maurice, 5h. De l'autre côté, ça va être 1h. 1h à l'Afrique de l'Est. 4h de temps. OK, à Togo, c'est légèrement différent. OK? OK, ça va? Donc, si ça ne vous dérange pas, ça va être OK pour demain. On va faire la classe à 5 heures. OK? Hare Krishna. Je vous quitte. Hein, je vais envoyer le fichier. Je pense que quand j'aurai le temps de faire ça là. Krishna, Prabhu. Merci. Hare Krishna. Okay. Donc, réfléchissez bien sur ce qu'on a étudié. On va finir le chapitre 3 demain. Hein, faut pas trop s'empresser. Et puis on a que 4 et 5 et 6. Donc on a fait pas mal. Ça fait combien de temps que je fais là? Est-ce que combien de semaines, combien de mois que je fais là? 1h30. Non, depuis mai les cours, on dirait. Depuis le mois de mai, pas bon. 2 mois pleins. Que 2 mois? 2 mois pleins et après peut-être une semaine en plus, mais oui, à peine. C'est pas mal. OK. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.